choisi le trial parce qu'en fait j'ai commencé par faire du bicross, mais j'avais pas trop l'esprit de combat, donc j'ai choisi un sport individuel où ça se passait tout seul en fait, où on se battait pas contre les autres. Et donc j'ai commencé par la moto trial et petit à petit je suis venu au vélo trial. Aussi souvent avec un pote d'aller rouler en milieu artificiel où là on essayait de trouver des passages vraiment gros pour nous pour l'époque, donc c'est sûr qu'on tombait pas mal, mais bon, c'est comme ça qu'on a vraiment commencé à aimer le trial, quoi. Le naturel, c'était avant tout pour la compétition, mais pour se faire plaisir. C'est vrai que c'était souvent en street que ça se passait. Déjà à l'époque, j'entraînais en milieu naturel pour travailler ce qu'on rencontrait en compétition, donc là c'était souvent tout seul. J'ai commencé les compètes quand j'avais en gros 12 ans par le championnat de l'Orléanais en fait vers chez moi. Et par contre j'ai attaqué les championnats de France. Mon premier championnat de France, ouais, c'était en 1997. J'étais champion de France en Régional 2. Et donc j'avais 12 ans. Et après, en fait, je suis monté à peu près tous les ans de catégorie. Mais j'ai pas eu des résultats vraiment exceptionnels parce que en fait j'ai grandi assez tard, quoi. Et je suis resté petit longtemps de taille, donc je travaillais vraiment la technique, mais c'est sûr que j'ai un peu galéré, quoi. Je me rappelle aussi une fois où on était allé rouler dans une casse auto avec un pote. Là en fait on s'était vraiment bien marré parce que c'est un peu le rêve de tous les riders, quoi, d'aller tourner sur des voitures et tout. Et là c'est vrai qu'il y en avait autant qu'on voulait, c'était à volonté.
allait aussi rouler en banlieue pour essayer de trouver des passages où on travaillait l'équilibre, la précision, sur des barres de fer, des trucs comme ça. Et il y a vraiment un coin en banlieue près d'une cathédrale où on avait trouvé des trucs super, quoi, dont notamment une barre dont je me souviens toujours et même maintenant je serais quand même pas rassuré. Je m'entraîne quasiment tout le temps en naturel parce que en compétition en fait on n'a pas le droit d'essayer les parcours, donc il faut être capable de savoir en fait comment passer un obstacle sans l'avoir essayé auparavant. Et en artificiel c'est toutes les marches sont les mêmes en fait. Alors qu'en milieu naturel, il n'y aura jamais deux pierres pareilles, donc c'est vraiment ce qui se rapproche le plus de la compétition. À chaque fois que je fais un nouveau passage, je vais voir à pied en fait ce que ça donne. J'essaie de voir déjà quelle est l'adhérence et aussi regarder bien toutes les aspérités des cailloux pour voir s'il y a moyen de trouver des paliers ou s'il faut le faire absolument en un seul bond. Et donc ouais, je regarde un peu tous les angles. Et dans les deux sens aussi, j'essaie de les regarder à l'envers parce que ça donne un autre angle, quoi. Là en fait j'ai enlevé toutes les feuilles de la prise d'élan, déjà parce que c'est mou, donc ça pompe de l'énergie, et puis pour pas patiner et aussi en fait pour voir s'il n'y a pas des bouts de pierre ou des racines qui pourraient me gêner dans mon élan, quoi. Donc comme ça là, je vois bien que la piste est propre et je peux pédaler franchement et sans m'inquiéter par rapport à la prise d'élan. Population. I devise our behavior. Believe.
au niveau de la pression des pneus, le fait que ce soit sec ou mouillé, ça change pas grand chose parce qu'on essaie toujours de rouler au minimum de la pression en fonction de ce que permet le terrain, quoi. Mais non, la pression va plus changer en fonction de l'endroit où on s'entraîne. Ici, les pierres sont plutôt rondes, donc on peut se permettre de rouler relativement dégonflé. Quand on va les rouler plus dans le sud de la France ou en Espagne, là, il faudra rajouter un peu de pression parce que les pierres sont plus agressives. De ce passage, c'est que y a très peu d'élan, le départ est un peu encaissé, c'est cassant, il y a des racines. Et en plus, moi je suis pied d'appel droit, donc quand j'arrive en haut, en fait, il faut que j'inverse pour avoir le pied gauche devant, qu'il soit plus dégagé à cause de la forme de la pierre. Comme ça, donc en changeant de pied, je peux envoyer sans risquer de faire la pluie. Je pense qu'on arrive plus à sortir des passages proches de ce qu'on fait à l'entraînement qu'avant. C'est aussi une des raisons pour lesquelles c'est vraiment plus dur. Et on s'entraîne tous énormément, donc le niveau progresse super vite, même si je pense que maintenant ça commence un peu à se calmer.
par rapport à il y a un an, on a tous progressé, mais par rapport à l'année encore d'avant, la progression commence, je pense, à diminuer. Bah là, en fait, en roulant en artif, bah déjà c'est sympa parce que je trouve ça plus fun qu'en naturel. En plus, j'ai pas trop l'habitude, donc ça change un peu. Et puis, c'est aussi important d'en faire parce que bah, en compétition, on a de plus en plus de zones artificielles en fait, pour essayer d'intéresser le public. Et donc, il y a quand même des trucs un peu spécifiques, des grosses, grosses marches très carrées. Et donc, là, ça permet aussi de s'entraîner à ça. Quand je m'entraîne, en fait, j'ai un peu trois types de fonctionnement. Déjà, il m'arrive de faire l'obstacle isolé tout seul, où là, je fais vraiment des gros gros passages. Et donc là, je travaille vraiment la technique sur un obstacle. Après, je fais aussi des zones vraiment difficiles, où au début, j'arrive vraiment pas à sortir, et petit à petit, j'arrive à prendre quelques passages. Et sinon, quand la période de compétition se rapproche, j'essaie de faire des zones en gros de la difficulté de ce que j'aurai à faire. Et là, j'essaie de vraiment faire le plus petit score et de ne pas mettre de pied évitable. En VTT, jusqu'à il y a 4-5 ans, on roulait encore avec des VTT traditionnels adaptés, quoi. Alors que maintenant, on a vraiment des vélos complètement dédiés à ça. Et le nombre de pièces qu'on peut trouver sur un VTT commence vraiment à être infime, quoi. On a des pièces super poussées, avec du très bon matériel. Et je pense que le rôle des marques là-dedans était très important.
y a eu certaines marques espagnoles qui ont permis déjà de créer un marché. Et je pense que maintenant avec Cox, on a vraiment des vélos 100% trial avec peu de choses à améliorer. Des vélos qui ont été pensés par des compétiteurs, ce qui permet de sortir un peu des bureaux et de s'inspirer de ce que sentent les pilotes sur le terrain. Donc je pense qu'on est tous bien sur nos vélos. Mais même si on a des vélos très très aboutis, je pense qu'il y a encore à travailler. Déjà, on pourra encore gagner du poids en travaillant sur des nouveaux matériaux. Et donc là, c'est sûr qu'on risque de s'inspirer de ce qui se fait dans les VTT traditionnels. Et puis sur nos vélos, après, il y a aussi à travailler peut-être sur les suspensions, je ne sais pas. Ça pourrait fonctionner, même si c'est un gros pari. Au niveau des freins, il y a encore aussi à travailler. Même si ce qu'on a, c'est très satisfaisant, ça ne marche pas par toutes les conditions. Le frein à disque, c'est bien à l'avant, mais pas encore assez fiable. Et les freins à patins, ça reste l'idéal pour l'arrière, mais pour l'avant, c'est un peu trop. Pas suffisamment progressif, quoi. Donc, non, c'est sûr qu'il y a encore du boulot sur les vélos. Moi, ce qui me motive avant tout pour m'entraîner, c'est la compétition. Non, c'est vraiment les résultats. J'ai eu des bons résultats et c'est vraiment ça qui me pousse à m'entraîner. Donc, j'ai été plusieurs fois champion de France en UFOLEB, j'ai été une fois champion de France en FFC, j'ai été champion du monde junior en 2001, deux fois vice-champion du monde en BIU, troisième cette année au championnat du monde. 20 pouces catégorie élite, champion d'Europe élite et champion du monde senior bike trial. À faire de la compète, c'est avant tout le plaisir de gagner, quoi. C'est sûr que les compétitions sont toujours des super expériences, mais moi ce que je recherche avant tout, c'est vraiment la gagne. C'est comme ça que je me fais plaisir, c'est ce qui me pousse à m'entraîner. Je pense que quand je commencerai vraiment à avoir moins bons résultats, quand je commencerai à me faire vieux, j'arrêterai parce que c'est sûr que la compétition, on en garde des super souvenirs, mais on se souvient surtout des victoires.
Non, moi je suis pas fan, ouais, des championnats en tant qu'expérience, c'est plutôt pour essayer vraiment de me battre contre les autres et de gagner. Le trial, c'est un sport plutôt jeune, le niveau il a énormément augmenté ces dernières années et je pense qu'il a augmenté en 3 temps. D'abord avec l'arrivée de Thierry Girard qui a vraiment posé les bases du trial actuel. Après il y a une génération plus jeune avec Vinko, Kesso qui ont vraiment permis de pousser le pilotage encore avec le pilotage sur la roue arrière, vraiment frapper l'avant dans les marches. Et ensuite je pense que ma génération avec par exemple le Coustelier, etc. On a aussi permis de pousser un peu le truc. Je pense qu'on a aussi des bons compétiteurs. Thank you.
Bellas, en fait, c'est les plus belles coupes que j'ai gagnées, quoi. Donc il y a toutes les manches de championnat du monde, en bike trial ou à l'UCI, où j'ai fait des podiums. Et j'ai gardé trois cadres, en fait. Celui-ci, avec lequel j'étais champion du monde junior en 2001, et troisième de la Coupe du monde. Celui-ci, c'est le cadre avec lequel j'ai été champion de France, un de mes premiers titres. Celui-là, le 20 pouces, avec lequel j'ai été troisième au championnat du monde cette année, en élite, et champion d'Europe élite. Voilà. Là, il y a ma médaille de bronze au championnat d'Europe junior. Là, ma médaille de champion du monde. Là, ma médaille de champion du monde bike trial de cette année. Ma médaille d'argent de l'année d'avant. Et ma médaille de bronze de l'année encore avant. Ça, c'est ma troisième place à la Coupe du Monde en 2001, en senior, l'année où j'ai été champion du monde junior. Et tout ça, c'est des coupes de championnat du monde. Et là, c'est le trophée de ma troisième place à la Red Bull Battle, qui s'est passé en Angleterre, c'était l'été dernier. De la compète, je pense qu'il me reste encore 4-5 ans pour être au meilleur niveau. Après, je pense arrêter relativement vite après que mon résultat baisse, mais par contre, je pense que je continuerai à rouler tant que je le pourrai, en fait, pour me faire plaisir, parce que c'est vraiment le truc qui me branche. Et moi, aujourd'hui, je ne fais pas ma vie sans vélo, donc rouler encore longtemps, surtout pour le plaisir.